Bien-aimés, nous sommes censés, nous les chrétiens, de donner une bonne place à notre Jésus-Christ. C'est parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ est là. C'est parce que Jésus-Christ, il est le maître de notre vie. Bien-aimés, imaginez la femme tsunamite envoie seulement Élisée. Non, cet homme de Dieu, à chaque fois, à chaque matin, il passe ici, il part où? Le matin, il part, passe, non, il dit, nous allons construire une maison pour cet homme de Dieu. Où? Au-dessus de notre maison. Ah, bien-aimé, toi, tu construis la maison de ton Dieu. Où? Comme Dieu, au-dessus de leur maison. Donc, cela veut dire quoi? Toi, tu es un homme de Dieu. Tu dois être au-dessus. Tu verras qu'il y a beaucoup de gens, au lieu de présenter Dieu à leur problème, au lieu de présenter la grandeur de Dieu, mais eux présentent la grandeur de leur problème. Non. Présentez la grandeur de votre Dieu à vos problèmes. Présentez la grandeur de votre Dieu à tous ceux qui vous demandent. Je vous dis, il y aura des solutions. Il ne faut pas venir me dire, oh, j'ai un grand problème. Non. Dis-moi que j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu pour ces petits problèmes. C'est ça, nous les chrétiens. Laissons la place. Imaginez Jésus-Christ un jour, il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Je suis qui, moi, là, je suis. Regardez comment les petits esprits, comment ils répondaient. Il paraît que tu es l'un des prophètes, tu es cela, je sais cela. Mais quand Dieu avait révélé à Pierre la place où il devait mettre son Dieu, il dit, non, tu es le fils de Dieu. Dieu tout puissant. Ah oui, la grandeur de ton Dieu dépend de ta considération. Dépend de la place que tu donnes à ton Créateur. Bien aimé, où vous êtes? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour dire, ah, je fais d'abord ma vie et après un temps je vais rentrer chez Dieu. Non, tu as besoin de toi et tu as besoin que tu puisses te servir. Et même pour le servir, ça dépend aussi de la considération, bien aimé. Tu le places où? Il est en 4e position de ta vie.